La rue de la Boucherie, l'un des hauts lieux touristiques de Limoges. Le restaurant des petits ventres et la patronne qui part faire ses courses aux Halles toutes proches. Si vous passez par là mardi prochain, il y aura du magret de canard au menu. Mais pas beaucoup, car Stéphanie Cuc ne redémarrera son activité que très progressivement. On achète petit parce qu'on ne sait pas comment on va travailler. On ne va pas remplir les frigos comme ça si on ne sait pas si on va avoir des clients qui vont vouloir revenir au restaurant. Ça, c'est une question aussi. Est-ce que les gens ont envie de ressortir ? Chez ce grossiste en viande, qui livre des restaurants partout en France, les commandes par téléphone sont en nette augmentation depuis ce matin, car il faut remplir les chambres froides. Un phénomène qui sera de très courte durée pour le directeur, qui pense ne pas dépasser 30% de son activité normale pendant l'été. L'activité restauration est aussi liée à l'hôtellerie et liée au tourisme. À l'heure d'aujourd'hui, cette activité tourne essentiellement avec les clients étrangers. Et je ne vois pas à l'heure d'aujourd'hui énormément de clients étrangers avec un potentiel à venir en France pour faire tourner cette activité. Près de Limoges, les livraisons reprennent aussi à la ferme de la Chassagne. Audrey est à la tête de ce petit resto de campagne. Elle a tout prévu pour le 2 juin. Elle pense cependant que la seconde vague annoncée de Covid-19 pourrait être fatale à son établissement. Ce qui me fait peur si jamais il y a une deuxième vague, c'est pour ça que j'ai mis un service aussi à emporter en parallèle du service à table. C'est si, si on n'a pas les aides qu'on a eues pendant ce confinement, si on n'arrive pas à les retoucher après, effectivement. Les restaurants sont souvent de petites sociétés à l'équilibre économique fragile. Pour beaucoup, l'avenir est encore incertain.